Good morgen, allez, Idan et Sussro, aujourd'hui le Nishmat, Machlouf, Micha ben Masouda, Nachman ben Nachman Yosef ben Nachum, Avram ben Norba ben Fortuné, Mazal Dov ben Yehudit, Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Micha, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Tamid, Perek Gimel, Mishnah Dalet, Nirnesou, Lelishkat Akelim, Ve Otsiou Misham, Tishim, Ushlosha, Kele Chesef, Uchlei Zahav, Ishkouet Atamid, Bekos, Shal Zahav, Afal Pishou, Mevokar, Mibaerev, Mevakir Notor, Le Or, Avukot. Depuis le début du Perek Gimel, on commence concrètement à apporter le Korban Tamid. Dans la Mishnah Aleph, on a tiré au sort qui allait faire le Korban Tamid. Dans la Mishnah Bet, on s'est assuré de vérifier qu'il faisait bien jour. Mishnah Gimel, on a commencé à aller chercher le Korban Tamid, le talé, le mouton. Et Mishnah Dalet, maintenant, deux choses. On va commencer la Shrita, on va se préparer bien sûr, on va le préparer à la Shrita. Mais auparavant, donc, il va falloir aller chercher des ustensiles pour des ustensiles pour réceptionner le sang, mais si déjà on va faire sortir tout l'arsenal de nécessaire pour la journée, et la Mishnah enseigne Nirnesu le Lishkat Akelim. Ils sont entrés dans la Lishkat Akelim, dans la pièce où se trouvaient les ustensiles. Les ustensiles, c'est donc comme on a dit les mazrek, les mizrekot, essentiellement les ustensiles dans lesquels on réceptionne le sang. Cette Lishkat Akelim, entre parenthèses, elle n'est pas tellement précisée où se trouve sa place. Le Tiferet Israël nous dit qu'il ne sait pas lui-même où il est, où elle est. Et si le Tiferet Israël n'est pas, il ne sait pas quelque chose, c'est que c'est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas... C'était quelqu'un qui... Le Tiferet Israël, c'est un pirouche qui était très original et profond et qui fouine énormément dans des tas de livres et des tas de... qui n'a pas peur de s'avancer dans des éventualités. Et malgré tout, là, il assure qu'il n'a pas trouvé. Il estime, malgré tout, que dans il y a une Mishnah dans Maseret Midot, il nous dit que tout autour du Echal, il y avait là-bas toutes sortes de l'écharotte, des petites pièces. Il estime que c'était probablement dans une de ces petites pièces qu'il y avait là-bas la Lishkat Akelim. Ok. Donc en tout cas, ils sont partis chercher les ustensiles et Nirnesu les Lishkat Akelim, ils sont entrés dans la Lishka, dans la petite pièce, la cabine où se trouvaient les ustensiles. Aussi où Misham Tishim Ushlosha Kelei Chesef Uchleizav. Ils ont sorti de là-bas 93 ustensiles d'argent et d'or. Pourquoi 93? On en parlera, non, on en parle tout de suite. Il y a le Yerushalmi l'explique en réalité. Si vous ouvrez le livre, alors là, il y a un très bon Tosafot qui explique que si vous ouvrez les livres de Zecharia, Haggai, Zecharia et Malachi, les trois derniers Nevi'im, eh bien, on est censé compter là-bas qu'il y a 93 fois le nom d'Hachem. Or, le Tosfot Yom Tov, sans ordinateur, s'est amusé à aller compter dans tous les sens. Il a dit, t'arrives pas à 93, il y en a bien bien plus. Du coup, il propose qu'il faut supprimer le livre de Zecharia, mais juste Haggai et Malachi. Et on a en revanche le Tosfot Hadashim qui nous dit, non, en fait, il faut compter les Azkarot, qui sont les Azkarot contre une Azkara, c'est le nom d'Hachem, on l'appelle une Azkara. Le nom, il est mentionné. Et il nous dit, donc le Tosfot Hadashim nous dit, non, si tu comptes dans Haggai, Zecharia et Malachi, le nombre de fois où il y a une névoie qui va parler de la construction du Beth Amikdash, eh bien là-bas tu verras qu'en total, il y aura 93 fois à cet endroit-là le nom d'Hachem. Très intéressant. Vous imaginez comment ils s'amusaient à compter les noms d'Hachem, pas que le nom d'Hachem de 4 lettres, parce qu'ils ont aussi compté les éventualités si on rajoutait le mot Tzvakot et le mot Elohim. Le mot qu'elle pour essayer d'arriver à essayer de comprendre ce qu'il y a écrit dans Sirochalmi. En tout cas, c'est important à savoir que le Rambam nous dit qu'en réalité, il en avait 93 parce qu'il avait besoin de 93. C'est pas qu'on est parti chercher dans les livres de Zecharia ou Haggai et Malachi combien il y avait de fois le nom d'Hachem, on a sorti le nombre de noms en rapport, non, pas du tout. On a fait le contraire. On avait besoin de 93 ustensiles. Ils ont estimé que c'était ce qui était nécessaire. Du coup, pour ceux qu'on se souvienne que c'est 93, on a dit, ah, c'est 93 comme la Seine-Saint-Denis, d'accord? Alors, bien sûr, évidemment, ils n'ont pas grandi dans les banlieues, donc ils se sont dit, non, 93, comme Haggai et Malachi, ou Haggai Israël et Malachi, peu importe. Et la Mishnah continue en m'enseignant maintenant. Deuxième sujet. Bon, alors on commence maintenant à porter les ustensiles. On va pouvoir commencer à préparer le mouton pour la shrita du tamid. Comment est-ce qu'on fait? Ils ont, comment dire, abreuvé, ils ont donné à boire au Korban Tamid, ils ont donné à boire de l'eau, des Kos Shel Zahav, avec un verre en or.
Avant d'égorger un animal, c'est important de lui donner à boire pour deux raisons. Une raison qui est explicite dans la Gemara, rapportée plein de fois, et c'est celle que général les Mefarshim ont avancée, c'est qu'ensuite on pourra le dépecer facilement. C'est rapporté dans la Gemara dans Beitza, lorsqu'on fait boire un animal avant de l'égorger, et bien après on peut facilement, dès qu'on va finir l'égorger, on va pouvoir la poule va se décoller beaucoup plus facilement. Même chez les hommes, je crois aussi que l'eau de manière générale, elle se place entre la peau et la chair. Et deuxième raison rapportée par le Gaon de Vilna, il propose que non, c'est pour mieux vérifier les sirchot dans Khoulin, quand on apprenait les poumons, je sais pas comment ça se dit en français, là, j'ai pas préparé le cours en fait dans le sens, mais c'est pas grave, il y a dans les poumons, là où on vérifie les tréfautes, spécialement, il y a là-bas, ça arrive toutes sortes de muqueuses, il y a des petits trous parfois qui peuvent se former, qui vont se relier. En tout cas, pour mieux vérifier est-ce qu'il y a une sirha sur le poumon, eh bien, on le faisait boire, comme ça se décolle plus facilement. Et la Mishnah continue en enseignant, bien qu'il était déjà mevukar, il y avait déjà une bikoret, il avait déjà été vérifié depuis la veille, mais vakrin oto leor avukot, on le revérifiait à la lueur de torche. Soit le korban tamid. On avait dit que dans la Mishkat Tlaïm, il y avait constamment des korbanot. Pourquoi il y avait constamment des korbanot? Il y avait constamment 4 jours de korbanot, donc 8 animaux. 8 bêtes. Pour quelle raison? Parce que le korban tamid, il doit être vérifié pendant 4 jours. Pendant 4 jours, on le vérifiait à la loupe. Est-ce qu'il n'y avait pas de défaut extérieur? Pour pouvoir lui faire la shrita. Comme tout ce qu'on apprenait dans Maseret Prorot, tous les défauts qui sont considérés comme des défauts. Des fois, ça peut être une oreille incisée, une lèvre incisée. Et il fallait 4 jours de revérification. Et la Mishnah m'enseigne bien. Bien qu'il était déjà bien vérifié, malgré tout, tu le reprends maintenant pour ce matin. On va faire le Korban Tamid, il faut le revérifier. Une Khumra. Revérifier maintenant. Il fait nuit pour le moment. Le soleil a commencé à se lever, mais il n'y a pas encore assez de lumière, même si on commence à distinguer. Donc ça a pris un peu de temps quand même pour réorganiser le Mizbéach et tout ça. Mais il y a quand même nécessité de le. On ne voit pas assez clair. Donc on prenait sur ça, on prenait des torches, on vérifiait qu'il n'avait plus de défauts. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.